Hello, sir? Sir? Nous allons jouer à Summer of 58. Premier jeu d'horreur de la soirée. À ce qui paraît, il est violent. Enfin, à ce qui paraît, il est pas mal. Donc on va voir. On verra ce qu'il a dans le ventre. Let's go. Allez. Oh merde, c'est de l'anglais. Oh putain. Parfois, les gens voient des choses qui ne sont pas là. On dirait que des entités les contrôlent. Contrôlent leur esprit et leur vie. Ils font de terribles choses qui peuvent les rendre totalement fous. Je ne crois pas au phénomène paranormal. Je crois à des troubles du comportement. Ouais, ok. Ce que font les gens, c'est de leur faute. Ok, très bien. Let's go. Oh putain. Je joue pas là, hein. Oh la vache. Ah ouais. Je me souviens de ce jeu. Ça c'est un jeu qu'on avait fait à l'époque. Je crois que c'est peut-être la suite. Attends. On avait fait ce jeu là. Vous vous souvenez? Si, on avait fait ce jeu là. Ouais, on avait fait ça. J'ai cherché dans tous les coins, mais je n'ai jamais trouvé d'évidence qui confirme l'activité paranormale de ces maisons. Maintenant, je vais aller dans un camp en Russie totalement abandonné, par la demande de mes abonnés, pour chercher des choses paranormales. Alors, les abonnés disent qu'il y a des esprits de gens morts dans cet endroit. Ok, Ok, il y a des gens qui ont carrément disparu de cet endroit. Putain, les textes sont trop rapides, je peux pas tout lire. Bon bref, vous avez compris quoi. En gros, on incarne un espèce de chasseur de fantômes, c'est ça. Et on est allé dans plusieurs maisons hantées, essayer de trouver quelque chose de concret. Et c'est toujours pas arrivé, donc là on va aller vraiment dans un truc en Russie qui a l'air très violent. Et puis voilà. Salut Spliz, ça va et toi? Ok, let's go. Je vais augmenter un peu le son du coup. Hop. Et puis let's go. C'est parti. Bon. Une maison abandonnée en Russie, ça peut pas tourner mal les choses. Hein? Tout va bien se passer, logiquement. Il devrait pas y avoir d'esprit. Il y a une note, là. Ah, fait chier, putain, il n'y a pas de sous-titres. Hein. Ça, c'est la merde. Hein. Il y a des légendes qu'il y a un orphelinage. Un orphelinat, pff, n'importe quoi. Un orphelinat dans ce camp. Et il y vivrait une étrange fille qui a peur de l'eau. Elle ne se lavait pas et n'allait pas dans la rivière. Un jour, les autres filles... Les filles plus vieilles décidèrent de se foutre de sa gueule, en gros. Ok, ils lui ont lié les mains et l'ont foutu de l'eau dessus. Elle a vraiment été effrayée et a couru loin. Ils ont passé des jours et ne l'ont pas retrouvée. Et ils en ont conclu qu'elle était morte, ok. Mais une nuit, elle est revenue, en pyjama, toute mouillée, et elle a tué tout le monde. Ah ouais, d'accord. Après ça, son esprit apparaît dans la salle de bain lors de la pleine lune. Putain, j'ai réussi à traduire, hein. Je suis trop content. Ok, donc en gros, il y a un esprit ici d'une petite fille qui aurait tué tout le monde. C'est joyeux. C'est joyeux. Une pièce avec deux toilettes? Ah ouais, putain, il y a deux chiottes, j'avoue. Attends, ça se fait pas, ça. Moi, je pourrais pas. Je crois pas que je pourrais, ça, tu vois. Ça, c'est un truc, je... Non. Chier à côté de quelqu'un, c'est... Non. Bah non, je crois que personne ne voudrait ça.
Alors du coup, on va aller par là, hein, je sais pas. On va... Des trucs à choper ici? Là. Non? Ah! J'entends un chat! J'entends un ronronnement! J'entends un ronronnement! Oh! Putain, mais j'ai peur vraiment pour rien, moi. C'est quoi cette merde? J'entends un chat! Je crois qu'il y a un chat derrière cette porte. Bon. Ah ouais, putain, c'est flippant ce genre d'endroit là. Il y a des bruits, il y a des bruits chelous. Bon, on est là en quête de paranormal, hein. Donc, est-ce que je peux zoomer? Ah ouais. Ah putain, je peux zoomer, ok. On est dans Outlast, hein, clairement. Oula. Elle fait beaucoup de bruit, cette maison, non? C'est quoi ce bruit, là? Non, il y a un corbeau dans les chiottes. Mais non! Ils ont mis un croc dans les chiottes! Ils ont osé, les enculés. Ils ont osé. Ah non, là, c'est du manque, là, c'est du manque de respect, là. Eh, on nous manque de respect dans ce putain de jeu. Photo de classe. 1946, on a la date en bas à droite. Ouais. Fuck. Ça ressemble à une école, hein. Ça ressemble grave à une école. En 58, à la fin de l'été, des parents ont appelé le camp. Ok, ils ont appelé le camp pour savoir si tout allait bien avec leurs enfants, mais ils n'ont pas eu de réponse. Quand ils sont arrivés au camp, ils ont trouvé personne. Juste un endroit abandonné. Ah ouais, et du coup toute la région a aidé les parents à retrouver leurs enfants, mais ils ont rien retrouvé, genre en fait tous les enfants du camp ont disparu. Incroyable. Incroyable. Ouais, l'histoire a l'air grave sympa. Ouais, c'est un camp de vacances, ouais. Y'a un bruit chelou là. Quoi ce délire? Oh putain. C'était quoi ça, des bruits de pas? J'ai entendu des bruits de pas. This fuse has burned out, I can fight the spare one, I can turn on the light. Ok, je viens de choper un fusible. Très bien. Ok, donc là on reparle de la fille qui a tué tous les enfants dans cette école, enfin dans ce camp. Du coup, ça va être quoi? Ça va être des petites filles possédées qu'on va voir logiquement. C'est ça le bail? Chier. Oh! Il était là lui tout à l'heure? Attends. Est-ce qu'il était là lui tout à l'heure? Espèce de lapin là. T'étais là toi? J'ai pas souvenir d'avoir vu un lapin ici, c'est trop chelou. Y'a des trucs qui bougent dans cet endroit. J'aime pas trop ça. Sac de couchage. Ah ouais, je vais carrément passer la nuit ici. Oh putain. Sérieux? Ok.
Mais en fait, on est limité. Enfin, il n'y a pas grand chose à. Il y a juste un couloir au final. Il hein. y a juste un couloir et c'est tout. Hein. Wow, c'est quoi ça? Ça me stresse ce ronronnement de chat là. J'ai trop envie de voir où il est. J'ai trop envie de le trouver. Ça fout les boules, hein. Non, il était pas là, le lapin, on est d'accord, hein. Attends. Ah si, il est toujours là, ouais. Mais je crois il a pas tourné la tête. Non, il a pas tourné la tête. Ok. Bon. Salut, Léviator. Alors, le jeu, c'est Summer. Ah ok, c'était juste le chat, c'était juste le chat. Restons rationnels, ok? On est un chasseur de fantômes, on reste rationnel. C'était le chat. Je crois qu'il va vivre des trucs de ouf, le mec. En même temps, il est venu un peu ici pour ça, mais... Bon! Ok. Merci pour la qualité de tes lives. Malice, merci à toi pour ton abonnement, merci pour ton soutien. C'est très gentil, merci beaucoup. Bon, le lapin a disparu. Et il y a une espèce de sonnette qui... Tu sais les trucs un peu fins du monde là dehors. L'alarme d'apocalypse. Ah, il est là ce bâtard. Putain, il est là le lapin. Il est là le lapin. Ah ! Ta mère. Il est là ce putain de lapin de merde. Bon, c'est l'apocalypse dehors les creuses. C'est la merde. Faut qu'on se casse. Salut Vanda. Vanda. Quoi ? Sachez que l'endroit où l'on est existe vraiment ? Cet endroit existe vraiment dans la vraie vie ? Elle est toujours aussi rassurante, hein, t'as vu ? Elle a toujours le mot pour plaire, Vanda. Toujours là pour rassurer la populace. Ça craint un peu, non? Je peux pas sortir. Par où je suis rentré, en fait? En vrai, par où je suis rentré? Est-ce que tout est barricadé? Ok. Je sens mal lui. Toi je te sens mal toi. Je lui fais pas confiance. Je suis rentré par magie, mais non mais vraiment, enfin on peut se poser la question, tu vois. Wow. Ah, j'étais en zoom. On peut se poser la question comment je suis rentré dans la maison. Si tout est barricadé. Need to find a lighter or match, bah j'en ai. Attends, need to find a lighter. A lighter, un briquet? Faut que je trouve un briquet. Ça devrait se trouver. Bah là, hop, parfait. Ah putain! Le son va fort. En vrai, l'ambiance. En plus, si on sait maintenant que le lieu existe dans la vraie vie, c'est stylé. En vrai, l'ambiance est là, j'aime bien. Bonsoir, Morchi. Ouais, ça fait longtemps. Hein. On va allumer les bougies. Ah, j'ai barricadé derrière moi en rentrant. Ah putain, et le mec se barricade carrément, quoi. C'est un ouf. Vas-y, allume. Ok, on allume les bougies, très bien. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? On va poser le sac. Ok. Night one. Oh putain, nuit une, ça y est. Ça y est les creuses. Attendez, je mets ça comme ça, hop. Nuit une.
Oh putain. Oh, oh. C'est quoi, je vais me mettre comme ça. Boum. Je me mets dans le noir aussi. Vu qu'il fait nuit dans le jeu, je me mets en mode nuit. Ok, let's go. Donc là, ça rigole plus. Hein. Soyez attentifs à ce qui se passe. Il peut se passer des choses paranormales ce soir. J'ai plus ma caméra. Elle est où, ma caméra? Elle est là. Non? Oh, attends. On voit que dalle. Elle est où, ma cam? Merde. Les crozes. Ma cam? Oh putain, elle est là, elle est là. Vas-y, prends. Oh, oh. Alors le truc c'est que j'ai aucune idée de quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je sais qu'il y a un fusible à remplacer ici, on l'a pas. Faut peut-être juste enquêter, juste attendre qu'il se passe des choses. Est-ce que je peux ouvrir la porte ici? Ouais, je peux. Oh putain, on voit rien. Oh, ouais, mais sans l'infrarouge, on est plongé dans le noir. Moi c'est le lapin qui me fait peur pour le moment. Ce qui me fait le plus peur pour le moment, c'est le lapin. Sérieux, Vanda, putain, c'est énorme. C'est énorme, ça. Vous êtes également dans le noir, là? C'est vrai, vous êtes dans le noir? Bon, bah, c'est bien. Les conditions sont réunies, les crozes. Oh, putain. Oh, putain, on tape à la fenêtre et tout. Ouais, y'a quelqu'un qui joue avec nous, là. Y'a quelqu'un qui joue avec nous, là. Clairement. Il y a des bruits de porte. Fais chier. L'ambiance sonore est incroyable. Chaque petit bruit t'a peur. Il est pas... Le lapin, il a disparu, Kino. Justement, c'est ça qui me fait peur. C'est comme les araignées, quand tu la vois plus. C'est encore pire. Bon. Putain, Bibouche, tu pars au pire moment. Enfin, au meilleur moment. Enfin, pire ou meilleur, comme tu veux. Il est sur la chaise à l'envers. Le lapin était sur la chaise. J'ai pas vu. Attendez. Écoutez les bruits. Écoutez, vous entendez les grincements de porte autour de moi? Avec mon casque, j'entends super bien, mais vous, je sais pas du coup. Elle est là! C'est quoi que j'entends là? Il y a des mastications. Il y en a qui est en train de bouffer un truc. Bon, lui il est là. Lui il est là, c'est la bonne nouvelle. Ok. J'aime pas ce que j'entends. Oh putain, je suis enfermé. Ils m'ont enfermé ces bâtards. Ok. Bon là ça commence à devenir très chelou du coup. Si je commence à être enfermé. Putain, le lapin a disparu. Le lapin il est plus là. Il joue avec nos nerfs. Ah ouais, putain, ouais, non, mais là c'est chaud. Hein. Ah, attends, les portes sont plus barricadées, c'est énorme. Y'a un. Par contre, ils y sont allés fort avec le son. Il est où le téléphone?
Ah, tu dois te lever tôt demain, Bibouche. Ok, bah bonne nuit du coup, Bibouche. Le Croz est plus dans les toilettes. J'ai pas fait gaffe, Kino. Il vient d'où le téléphone? J'arrive pas à... Je peux pas ouvrir les portes. Il est où ce téléphone de merde? Oh putain! Wesh! C'est qui ça? Oh là, ça sent le jumpscare de merde. Ah putain! Oh putain, la pute! Vite! Caméra! Je suis mort? Attends. Oh le bail. Ok, on est revenu dans le jour. C'était quoi ça, les Croz? I need to find my video camera. Ah, elle a... Ah, ok, elle a volé la... Elle a volé la caméra. Elle a volé la caméra. Très bien. Ah, et du coup, les portes sont ouvertes. Les deux portes sont ouvertes. Ok, donc on a des chambres. On a des chambres. On va essayer de trouver notre caméra, du coup. Putain, elle m'a fait peur. Je m'attendais pas à la voir près des bougies comme ça. Elle nous a one shot totalement. Ah non, c'est encore barricadé ici. Est-ce que je peux le péter avec mon pied de biche? Non. Il y a quoi là-dedans? C'est super bien fait. Hein. Du coup, je suis trop curieux, j'ai envie de voir le vrai environnement en photo. Si t'es encore là, Vanda, tu pourras m'envoyer le nom de l'endroit. Je suis curieux. Ah, elle est là, la caméra. Putain, il y a une note avec. Il y a une note avec. Ah merde, c'est du russe. I can read what it says. I need to get my Russian English dictionary. Ah oui, effectivement. Alors, je lis pas le russe, peut-être. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui lisent le russe? Est-ce que vous arriveriez à traduire ça sans le dictionnaire? Je suis curieux. Ah, merci Vanda, c'est cool. On va essayer de trouver le dictionnaire. Il est là. Je crois qu'il doit être là. Enfin, il était rangé ici. Non, il est pas là. Ah, t'as raison, ouais. Il est plus là, le corbeau. Le corbeau, il est plus dans les toilettes. Alors, le dictionnaire... Ah, il est là? Voilà. Il était juste à côté de la caméra. Alors, du coup, ça donne quoi? You're not welcome here. Tu n'es pas le bienvenu ici. Ouais, bah ça, j'avais remarqué. J'avais remarqué. Ok. Bah oui, mais... Oui, je sais. J'entends bien ce que tu dis. Est-ce que je peux prendre ma caméra, du coup? S'il vous plaît. Non? Ah si, voilà. Ok. Ah, la fille... Enfin, la personne qui m'a frappé a pris les bougies. Je dois essayer de rallumer les lumières, du coup, sans bougie. Ok. Alors, j'imagine qu'il va falloir remettre le fusible. C'est pas mal comme jeu. Putain, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à cette qualité. C'est stylé, hein, j'aime bien.
En vrai, tu vois, pour faire un bon jeu d'horreur, t'as pas besoin de faire un gros jeu d'horreur. T'as juste besoin à créer deux couloirs. Tu fais un couloir là, une pièce ici, et des chiottes là. C'est bon. Si l'ambiance est là, c'est bon, y'a pas besoin de plus. Alors, faut que je trouve un fusible. Alors, à mon avis, hop, on va aller là-dedans. Ah, écoutez, écoutez. Vous entendez le... Il y a un enfant qui chante, vous entendez? Oh putain. Il y a une main. What? Oh, ah, je croyais que c'était un humain. Non, non, c'est un... C'est un animal. Oh, ça reste dégueulasse, hein. Ça reste... Écoutez. Il y a un enfant qui chante. Salut Cassie, ça va? Ah, il est là le corbeau, putain. Oh non, il y en a plusieurs. Les crozes. Ah, il y a une photo là. Ok. Ah putain, le fusible. Oh yes. Alléluia. C'est bon. Ok, on a tout, on a tout, on a tout. Quoi, j'ai pas pris le carton? Arrête. Merde, je suis si con que ça? Vraiment? Oh, oh l'abruti. Je pensais qu'on avait pris les trucs dans le carton, mais pas qu'on l'avait fermé. Putain, les neurones. Ah ouais, non, les neurones, laisse tomber, quoi. L'enfer. Oh putain. Pas. Saleté. Saleté. Ok. Give me the fusible. Turn on the light, motherfucker. Comment on fait? Où quel est le... Où qu'il est le... Où qu'il est l'interrupteur? Ah ok, Toshi retourne dans la chambre où tu as trouvé le fusible et regarde bien la porte de la pièce. La porte de la pièce. Ah putain! Alors là, moi je dis bravo. C'était là. Bien vu. Et la lumière fut. Ah, quel plaisir. Oula. Il y a une boîte à musique qui vient de se lancer. Le camp Younost. Ok, Vanda. J'irai voir. Ok, bon. On a allumé la lumière du coup. Ok, j'ai besoin d'aller au lit. Il va faire noir bientôt. Bah let's go. Vas-y. Deuxième nuit. Alors on repart en mode night. Il est 3h07 du matin, les crozes. C'est parti. Accrochez-vous. Je vais prendre ma... C'est trop bien fait parce que regardez, avant de dormir, en fait, on accroche notre caméra et on se filme nous pour voir s'il se passe des choses dans la nuit. C'est trop bien fait. Ok, let's go. Bon, alors, ce qui est bien, c'est qu'on a de la lumière. Ça, c'est ultra cool. On en a une là, et on en a une ici. Et ça éclaire plutôt bien. Donc ça, c'est génial. Ouais, c'est toujours vers 3h du matin qu'il se passe des trucs, hein. C'est vrai, hein. Hello? Oh putain, c'est ouvert ici.
Ah, il y a des traces de... Quoi ? Attends, il y a des traces de mains et des traces de pas. C'est-à-dire que genre, le truc qui... Le truc qui il rampe ? Il y a des mains et des pas, regardez. Bon. Il y a un truc chelou là-dedans. Bah moi je vais ici. Moi je viens ici. Je déteste cette musique de marchand de glace là, tu vois ce que je veux dire ? Oh, c'est quoi ça ? Me faites pas peur les gars ! La colonie. Toujours fermé. Et si on suit ça du coup ? Mais à l'envers. C'est en train de se rapprocher. Hein. C'est vraiment en train de se rapprocher. Hein. Ah ça. Ah putain c'était ça. Stop. On a trouvé la boîte à musique, c'est parfait. Oh, putain de merde! Ah, c'est chaud là! C'est chaud! Il y a quelqu'un. Ah! Oh, ah, oh, sa tête elle est. Ah! Oh, oh, je vais pas là-bas, c'est mort, bro, c'est. Oh putain. Oh putain! Oh putain! Elle fait flipper. Elle fait flipper. La boîte n'était pas là tout à l'heure. C'est ferme, c'est bloqué. J'ai envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, il nous faut une clé. C'est une clé. Ouais, c'est une clé. Bon, par contre, ce que je viens de voir, les crows, et ce que vous venez de voir, à mon avis, ça donne pas trop envie, quoi. Les effets sonores sont très bien faits, surtout avec un casque. Ouais, non, mais avec un casque, c'est abusé. C'est abusé. Bon, du coup, est-ce qu'elle est encore là, l'autre ? Oh putain. Non, elle est plus là. Elle est plus là. Zerwez perd la. Ah putain, il y a plus de. Ah, ils ont pété la. Ah ouais, ouais, il y a des ampoules dans la truc, ouais. Vas-y. Hop, on va en prendre une. On va aller la remettre. Le jeu est excellent, putain. Il est excellent. J'ai pas joué un jeu d'horreur comme ça depuis... Wouh ! Depuis longtemps. Allez, on remplace l'ampoule. Y'a quelqu'un qui est en train de pisser à côté de nous. T'entends ? Quelqu'un qui pisse ? Ah merde, c'est fermé maintenant. Ah putain, trouver une clé là-dedans, ça va être compliqué. Trouver une clé là-dedans, ça va pas être chose facile. Bon là c'est fermé, ok. Ici, tac 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 tac. Ça on l'a déjà vu. Putain, il est long le pipi là. Ça s'arrête quand ? Bon, à tous les coups l'autre elle est... Ouais. Oh putain, elle est là. Elle est là-dedans, c'est sûr.
encore une boîte. Est-ce que je peux l'ouvrir? Ah, y a du caca qui me tombe dessus. J'ai peur. J'en étais sûr, on était tous sûrs qu'en levant notre tête, on allait voir un truc. Mais je m'attendais pas à un truc aussi flippant. Putain, ouais, c'est The Grudge quoi, c'est The Grudge au pays des merveilles là. Putain, elle était carrément collée au mur comme une araignée là, avec sa robe blanche. Ouais, ça fait flipper. Non, en vrai là, c'est chaud. Putain, c'est chaud. J'ai récupéré la boîte du coup, je crois. Putain de merde. Ok, je vais remplacer l'ampoule. Enfin, je vais essayer. Tu viens d'arriver, Mago. Mais Mago, t'arrives un des pires jumpscares du jeu pour le moment. Putain la vache. Salut Super I. Elle m'a chié dessus, ouais. Je me suis chié dessus, elle m'a chié dessus. Tout le monde s'est chié dessus. Ouais, j'ai bien fait de commencer par celui-là, mais je crois que c'est le pire que j'avais en vrai. Hein. Ah putain! Ah c'était... Ah putain, c'était la poupée Joker là. C'était la poupée Joker. Ah ouais, non, là ça devient chaud. Faut que je parte là, non? Faut que je me casse en vrai. Ouais, non, mais à la place du gars, je me taille, hein. Je serais déjà même plus en Russie. J'aurais déjà quitté le pays. Je te jure. J'ai toujours détesté les lapins. Quoi cette respiration de merde là? Putain, y'en a un, il est pas bien là. Attends, y a tout en fait dans ce jeu, ils ont tout mis. Ils ont mis les lapins, les petites marionnettes, les filles en robe blanche. Y a de tout là. Hein. Manque plus que le clown. Ok, on a toujours pas la clé. Oh non. Oh non, 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 non. C'est horrible, ce jeu est horrible. Putain de merde! Oh, c'est trop les gars! C'est quoi ça encore? La clé. Putain, j'ai la clé. I have the key. With this key, I can open the box. Yeah! Ça, on l'a déjà lu, on s'en bat les couilles. Ok. Je vais doucement parce que il peut vraiment y avoir un truc à n'importe quel moment dans ce jeu. C'est terrible mais c'est comme ça. Allez, on va ouvrir la boîte. Cher journal, aujourd'hui est le jour de l'ouverture du camp, de mon camp. J'ai préparé cela pendant 3 ans. Donc cet été est un été spécial pour moi. Mais non les gars, mais laissez-moi lire. Oh, il casse les couilles. Putain, j'ai pas eu le temps de finir. Oh, fait chier. J'ai pas eu le temps de finir les creuses. Ah, il y a eu un orage. Ah, on se retrouve en 58. Oh. Ok, on est retourné dans le temps. Les creuses, on est en 58. L'été 58, ok. Donc là, on joue plus le chasseur de fantômes, hein. On joue la prof. On joue la prof qui a créé ce camp. En 58, du coup. Donc on va voir ce qui s'est passé. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est tout neuf, du coup. Enfin, c'est tout neuf. C'est moins abandonné, on va dire. Oh là. Oh ouais, non mais c'est flippant là. Les enfants sont en train de dormir, je ne vais pas les déranger. Ok. Ici je peux pas y aller.
Je peux pas ouvrir là? Ouais, non, je peux pas. Là. Ok, donc une enfant dit à une autre enfant, j'ai caché la clé. Il faut que tu, faut qu'on se casse. La prof est bizarre. Ok. Alors du coup, closette, c'est quoi closette, les crozes? Elle a caché la clé dans le closet. Ah ouais, là. Ok, on a la clé. J'ai peur, mais ce jeu me rend fou. Je flippe. Ah, il y a une balance. Je dois ouvrir quoi avec ça? Oula, c'est quoi ça? On est vraiment dans une sale ambiance, hein. On est vraiment dans une putain de sale ambiance. Il y a encore un corbeau qui est mort, là. Ah, la vitre est pétée. Ah, putain, ok, le corbeau est... Putain, en fait, il s'est défoncé sur la vitre et il est tombé, là. Ok. Salut, Firework. Je sais pas ce qu'elle ouvre, la clé, les crosses, par contre. Ah, là, peut-être, you can save them. Tu ne peux pas les sauver. Là, y a pas de tiroir. Ah si, putain, y a un truc là. Ok, les gars, on vient de trouver. Fallait ouvrir ce truc. C'est bon. Let's go. What? Elle doit mettre le gaz dans la chambre des enfants pour qu'ils soient transférés dans un hôpital psychiatrique? Ok, donc son enfant préféré, c'est... Ah, c'est pour ça les masques à gaz. C'est ça les masques à gaz, du coup. Oh putain. What? Y'a quelqu'un qui nous regarde? Oh putain, il fait flipper. J'ai même pas envie d'y aller. Je vous jure, j'ai même pas envie d'approcher cette porte. Oh putain la vache. J'ai besoin de mettre le gaz dans la porte de la chambre. Mais c'est horrible! C'est horrible de ouf! Ce jeu, bah attendez, au final on aura fait que ce jeu ce soir, hein. Il dure longtemps. Moi je pensais que c'était un jeu qui durait 30 minutes. Ça fait déjà une heure. Ça fait une heure qu'on est dessus.
Ok, bon, du coup. Donc, je suis revenu dans le présent. Ouais, il fait clair dans la maison là. C'est, ça va... Oh putain, il y a une note là. Quand il fait clair dans la maison, c'est cool. You were told. Crossed out. To get out of there. Leave this place alone. Ok, donc en gros, on me veut pas du bien. On me veut clairement pas du bien. Ah, fallait que je la prenne avec moi, mais je suis vraiment trop con. Ok, on a pris le journal. Je sais ce qu'il s'est passé ici. Laisse-moi t'aider. Dis-moi qui es-tu. Je suis le grand JD. Explorateur de paranormal. du coup, y a quelqu'un qui veut m'aider, c'est chelou. Morshiba! Oh, c'est trop gentil, merci! Oh, c'est gentil là! Oh, c'est gentil, Morshiba! Merci, Morshiba, pour les deux cadeaux que tu nous fais à Super Yi et Vanda. Merci beaucoup, franchement. Merci. C'est super gentil, merci. Ah, du coup, je lui renvoie. Ok, je lui renvoie. Est-ce qu'il va là? Oh putain, il y a quelqu'un derrière la porte! Il y a quelqu'un derrière la porte. Je sais pas où il est, ce putain de téléphone. Ça, on a déjà lu. Il y a un téléphone quelque part, mais... Oh putain! Il est là, ce con! Il est là, ce con! Le réveil à 5h, ouais, ça va piquer, Lyon. Vas-y, va dodo, Lyon, t'inquiète. Il y aura une rediff sur YouTube hein, pour ceux qui partent, qui bossent demain ou qui reprennent les cours. Il y aura une rediffusion sur YouTube, donc vous inquiétez pas, vous loupez rien, ok? Et au pire, il y a la rediff sur Twitch aussi. Donc, si vous voulez dormir, allez-y. Hein. Ok, on va lui réécrire un... on va lui réécrire un truc. I read the people. J'ai lu que des gens sont morts ici. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Dis-moi et je pourrais t'aider. Ok, très bien. Vas-y, prends-le. Hop, on va lui envoyer. Direct. Il y a un téléphone ici, mais je sais pas, je suis aveugle. Alors, est-ce qu'il va me répondre ou pas? Réponds-moi. En fait, c'est énorme, on est rentré en contact avec un espèce d'esprit qui est derrière la porte. Ah, regarde, il vient de nous répondre. C'est trop bien. J'ai été accusé, mais je n'ai rien fait. Pars d'ici. J'ai envie de l'aider, les crozes. J'ai envie de l'aider. J'ai pas envie de partir sans avoir l'aidé. Je veux l'aider. Qu'est-ce qu'on va lui dire, du coup? Oh, merde. Ça vient de bouger à ma droite. Est-ce que ton nom est Yakov? Est-ce que tu as vécu ici seul pendant des années? Allez. Tiens, Yakov. Et réponds-moi. Prends la note. C'est bien. Bon Yakov.
Réponds, toutou. Allez, réponds. Il a répondu. C'est trop bien, cette interaction là. Oui, ici je peux communiquer avec mes amis. On garde cet endroit parce que c'est chez nous. Beaucoup de gens viennent ici juste pour briser les choses. Mais mon ami m'aide à virer les étrangers. Je suis très effrayé à l'idée que quelqu'un me voit et me dit. Attends, and tell me the name. Ok, bon, c'est chelou. C'est chelou, mais en gros, il vit ici. Il vit ici depuis tout ce temps. Il est pas mort. Attends, c'est chelou là. C'est chelou s'il est pas mort. Vas-y, on va lui répondre. Non mais c'est ça, je suis le pion, je suis devenu le pion, le nouveau pion, c'est moi. Qui sont tes amis? Et... pourquoi ils sont ici aussi? Ok, bon, c'est bien, c'est bien, c'est des bonnes questions. C'est de très bonnes questions, vas-y. Ok, on va attendre qu'ils répondent. Elle est grincement, c'est abusé. Hein. Ton casque, il est dans le bon sens au moins. Bah oui, pourquoi? Ah, il m'a répondu. Les esprits de cet endroit, ceux qui ont été torturés ici, they remain, je sais pas ce que ça veut dire, remained locked. Bon, il y aura... Enfin, essayez de traduire parce que je... C'est compliqué là, ça devient dur. C'est énorme, on parle avec un esprit. Oh putain! Holy shit! Tout cela a été planifié par le directeur du camp. De quoi tu parles? What kind of person was she talking to? À quel genre de personne elle parle? J'essaie de traduire du mieux que je peux, mais c'est compliqué. Hein. Ah, quelqu'un qui toque à la fenêtre. On va aller voir. Mais... histoire de... l'obdon de sagesse, cela a été. Morshiba, 50. Merci beaucoup, Morshiba. Oh là là. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Merci beaucoup. C'est super gentil. Ouais, ça fait plaisir. Merci. Ça fait chaud au cœur. Bon, est-ce qu'il nous a répondu l'autre con? It's all here. I saw your director talking to someone. Je commence à avoir du mal à traduire. Je crois que j'ai atteint mes limites de de traduction. Si je fais une rediff YouTube, je vais essayer de traduire les textes. Je vais mettre la traduction en français à côté en fait. Au moins. Pour ceux qui sont en train de regarder la rediff là, bah vous aurez sûrement les textes en français. Parce que là j'avoue je galère un peu. Ce building abandonné, est-ce que je peux y aller? Ah, on parle de l'hôpital qui est à côté, c'est ça? Il y aurait un hôpital à côté du camp?
Quand il y a un bruit, dis-nous dans quel sens il vient. Bah là, là j'entends à gauche. J'entends de ce côté là. La boîte à musique. Ah, il m'a répondu. Non ? Merde, il m'a pas répondu. Yakov Dozen. Ah, il répond plus. Je dois aller dans l'hôpital abandonné ? Quoi ? Mais non ! J'ai pas envie ! Non ! Les crozes ! Vrai. On va vraiment aller dans l'hôpital ? Non, ça va être la fin du jeu, je le sens. Ils ont pas mis un hôpital quand même dans le jeu. Attends ! Attends ! Ça vient de droite, vous l'entendez à droite ? Attends, j'ai mis mon casque. J'ai mis mon casque à l'envers. J'ai mis mon casque à l'envers, putain, mais quel... Mais je, c'est ça, je me dis, j'ai mal à l'oreille. Tu sais que ça fait 30 minutes, je me dis, mais j'ai mal aux oreilles, c'est quoi ce délire? Putain, mon casque est à l'envers, quoi. Et ça fait une heure que mon casque est à l'envers. Y'a que moi pour faire ça. Et le pire, c'est que je suis même pas fatigué, Lévia. Je suis même pas fatigué. Bon, bref. Troisième nuit. Du coup, j'entends à l'endroit, là. C'est bon. J'entends à l'endroit. En fait, j'ai le son du jeu à l'envers depuis le début. C'est incroyable. Et du coup, ouais, je me sens mieux, là. C'est vrai que ça fait moins mal aux oreilles. Ah, c'est mieux. Putain, je suis trop con. Eh, je suis vraiment trop con. Allez, on reprend la caméra. On est à la troisième nuit. Oh, putain, on est dans l'hôpital. Les crozes. On est dans... On est dans l'hôpital. Oh putain. Je me remets en mode... Je vais me remettre en mode sombre. Voilà, on se remet dans le noir. Let's go. Je suis vraiment... Un abruti. Hein. I need to... Ah oui, dictionnaire. Let's go. Oh putain. C'est moi qui fais ça ? Oh, on voit plus rien. Mon dieu. Ok, toutes les portes sont fermées. Ici, je peux pas passer. En dessous non plus. J'ai pas de pince pour couper les chaînes. Oh là, mais le jeu dure 3 heures en fait. Il dure combien de temps le jeu, pour ceux qui savent ? Je vais mourir, je sens. Je sens que je vais crever. Oh putain, ça a changé. Ok, l'environnement change. 46, après la guerre, dozens. Des dizaines d'enfants meurent. Après avoir perdu leurs parents. Wow. Il y a une armoire là. Je ne suis pas fou, il y a une armoire. Je peux rien faire avec. Ce jeu est trop bien fait, en vrai c'est abusé. Ouais, elle est... Oh putain. Nique sa mère. Bonsoir. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet hôpital abandonné? J'attends des réponses. Oh, une poupée.
Le docteur de l'orphelinat was denied pour organes. Quoi ? Du trafic d'organes illégal pendant 6 ans ? Il a fait de faux diagnostics et il a fait des opérations de. Oh non. L'orphelinat a été fermé. Et le bâtiment est abandonné. D'accord, donc en fait, le docteur de cet hôpital faisait du trafic d'organes. Et du coup... Ah, il faut que je retourne dans mon sac. J'ai un... Fuck. Cet endroit ne veut pas me laisser partir. Ah, regarde, la porte, elle a disparu. Il n'y a plus de sortie. Allez, on va prendre le... Ah ouais, non, rien. Je crois que je me fais observer. Je crois qu'on me regarde. On m'observe. Vite. Merde, putain, la porte a disparu encore. Ah, je peux péter les chaînes avec ça, trop bien. Je peux péter les chaînes avec ce truc. Lettre. Ça pue. Oh putain, ça pue. Est-ce que je peux... Ouais. Salut Nesper. Ouais, du trafic d'organes avec les gosses. Ouais, bah oui. Ouais, du coup, ouais. Ah, c'était un sacré enfoiré. Ah putain, oh putain, mais regarde. Regarde le trafic là. Ça, c'est du trafic d'organes, ça. Ouais, on dirait grave Encounter. Tu sais que ça me fait penser aussi à ça, Dolly. Oh putain de merde. Ouais, aïe 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 aïe. Regardez, ah putain, on est vraiment dans un hôpital, quoi. J'ai flippé ces conneries, hein. Il y a quelqu'un avec moi là, c'est évident. Je dois faire quoi avec la pince? C'est une pince, mais je sais pas pourquoi. Ah, c'est revenu normal. Oh putain. Ah non, non, putain. Ouah, j'ai des hallucinations carrément. Oh, enculé. Mais toi, je vais te défoncer. Hein. Refais-moi ça une fois, tu vas voir. Tu vas voir où je vais te la mettre, la pince là. Oh, elle m'a fait peur. Eh, j'ai chaud. Hein. Ah, ça donne chaud ce jeu, hein, je vous le dis. Hein. Summer of 58, ils l'ont pas appelé Summer pour rien, je te le dis. Hein. Putain, tu prends 40 degrés dans la gueule. Voilà, on a tous flippé, hein. On a tous eu peur. Hein. On a vraiment tous eu peur. Hein. Oh merde. Ah, 120 battements par minute. Est-ce que je devrais acheter... Hey. C'est vrai que je vous ai jamais demandé, est-ce que j'investirais pas dans un
Il y a beaucoup de streamers qui font ça. Tu mets une ceinture au niveau de ta poitrine et t'as le battement de mon cœur en direct au-dessus de ma caméra. Tu vois, genre là au-dessus, t'aurais le battement de mon cœur en le vrai battement, tu vois. Ça peut être cool, non? Ça pourrait rajouter un truc dans les lives. J'y ai pensé, mais ça coûte une blinde, quoi. Ça coûte vraiment une blinde. Mais ça peut être grave bien. Genre, vous voyez mon cœur en direct. Là, je crois il doit être à 130, 140. Ah, il bat vite, hein. Ouais, je dois être à 120, là. Facile, 120. Salut Olivia. Ouais, Olivia, t'arrives à... Je crois on doit pas être loin de la fin. Du coup, c'est assez chaud ce qui se passe. Un passage secret, les crozes. Oh putain, il y a des trucs de sorcières. C'est quoi ce délire? Oh putain. What the... Hein? C'est quoi ces bêtises là? Pourquoi le corps n'est pas décomposé après toutes ces années? J'avoue. Let the one who find the misfit. Je maudis tous ceux qui ne peuvent pas m'aider. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Hein? Je suis enfermé? Je suis enfermé? L'horreur. Eh, si le jeu finit comme ça, c'est horrible. Certificat d'essai. J'ai pas compris toute l'histoire, malheureusement. Vu que tout est en anglais, mais putain, ça a l'air vachement stylé. Mais attends, je suis bloqué là. Oh, hein, c'est peut-être... Oh putain, c'est tous les corps. Tous les corps de ceux qui ont trouvé peut-être la pièce, le pendu. Et ils ont tous été enfermés comme moi, en fait. Tout ça, en fait, c'est des gens comme moi qui ont trouvé le corps, je crois. Non. Non, c'est pas possible. Ah, faut que je le prenne avec moi. J'oublie toujours de prendre les documents. Oh putain. Oh putain, c'est bon, il y a une porte. Ah. Ça va? Ok, c'est bon. Ok, ok, ok. Ok, bon, là, je crois que c'est vraiment l'heure... Ah ! De se tirer ! On se casse ! Merde, putain, tout est fermé. Niquez vos mères ! Faut que je me casse ! Cet hôpital maudit ! Mon sac ! Faut que je me casse, là. Ouais, casse-toi, mec. Mais quel jeu, bordel! 3 semaines plus tard. Quel jeu! Nous revoilà dans le jour. Je suis vraiment très impressionné par ce jeu. J'aime beaucoup. Il manque un truc, c'est les sous-titres français, les crozes. Il manque juste ça. Il manque juste ça et c'est parfait. Salut Yakov, tu n'as plus besoin d'être effrayé. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Oh, ça se finit comme ça? Ah, ça se finit comme ça.
Ah ouais, ça a été intéressant et unique, ça c'est clair. Oh ! Je vais dans un autre endroit avec une histoire terrifiante. Où il y a des sorcières. Oh, je vais t'en dire plus tard. Oh putain, il y aura une suite. Oh, il y aura un Summer of 59 ou un truc comme ça. Oui ! Oui ! Ah oui ! Oh, regardez ! C'est peut-être le futur, c'est peut-être ce qui va... Mais attendez, c'est le jeu qu'on avait fait la dernière fois en live. Regardez, c'est la ferme. On l'avait fait ce jeu. Avec les boîtes, fallait ramener des boîtes dans la maison. C'est là, regardez. C'est énorme. J'ai adoré. C'est cool, hein. Ah, c'était bien. Et c'est marrant parce que ce jeu, on l'avait fait la semaine dernière. Ce qu'on voit là, souvenez-vous. Avec des sorcières, bah c'est là. En fait, c'est ouf. Ils ont réussi à connecter plusieurs... Mais ouais. Mais... Bah attends, c'est ouf. On l'a fait ce jeu. On l'a fait... Mais c'était pas du tout Summer of 58. C'était un autre jeu, je sais plus quoi, c'était un autre jeu. Ouais, ou la semaine d'avant, je sais plus. Enfin, au dernier live, quoi. A few days later... Attends, c'est pas fini ? Quelques jours plus tard. Attends, attends, attends. Ah mais ouais, attends. Attends, c'est pas fini ? C'est... Quoi ? Bah attends, c'est pas possible. The battery is dead. Ah, merde. Attends, 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 attends. Oh là, mais c'est quoi ce jeu de ouf ? Je suis enfermé. Je suis avec des sorcières. Oh putain. Oh. Attends, c'est pas fini ? Mais oh my god. Mais au secours. Oh oh! Yes! Ok. Bon. Eh ben, c'était très cool, les Crows. C'était très cool. Je vais quitter le jeu, du coup. Ça fait bien longtemps que j'avais pas joué à un jeu d'horreur comme ça. Un jeu aussi flippant. Ça m'a... Putain, ça a duré bien 2 heures quand même. Regarde, il est 23h, c'est la fin du live. Au final, on n'aura joué qu'à un jeu d'horreur ce soir. Mais il aurait été excellent. Bon. Bah du coup, les Crows, voilà. Il y aura une rediff sur YouTube. Je m'en occupe personnellement. Je vais faire un petit montage. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'être restés. De m'avoir suivi ce soir et d'avoir flippé avec moi. C'est très gentil. C'est très sympa. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. En tout cas, ça fait du bien. Je sais pas quand sera le prochain live. Sachant que là, on est mercredi, peut-être demain. Je vous tiens au courant sur Twitter. S'il y a un live demain, vous le verrez sur Twitter. Et puis voilà. C'était une pure merveille ce live. Merci Toshi. Bah de rien. Voilà, c'est les mêmes développeurs que Locked Up. Exactement. Merci Super I. Super live Toshi. Merci de rien, hein, Mickey. Bonne nuit Malice. Bonne nuit Mickey, bonne nuit. L'histoire, les graphismes, l'ambiance, les sons, hâte de découvrir la suite. Ouais Kumi, je suis d'accord, j'ai adoré. Non, pas dans un mois. Non, non. De rien Mago. De rien Lévia. Bonne nuit Nesper. Bonne nuit Smuki, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit Sperry, bonne nuit à tous, merci, des gros bisous. Dormez bien.
passez une très bonne nuit et on se retrouve peut-être demain pour un nouveau live horreur à 21h. Je vous tiens au courant sur Twitter. S'il y a un live, c'est sur Twitter et Insta. Instagram, Twitter, voilà. Des bisous. Bonne nuit les crozes. Merci encore. Merci pour votre soutien. Merci au don énorme de Morchi pour tes subs gift et pour le sub de Malice du coup et le sub de Lyon. Merci à vous. Merci à vous tous. À demain les crozes. Des gros bisous. Ciao. Ciao ciao. Le prochain live demain, je vous le dis. Demain le prochain live. Allez, je vous laisse. Ciao ciao. Merci à tous les crozes, merci. À demain.